Il est temps de mettre en place un plan Marshall pour notre réseau routier, a déclaré jeudi 16 août sur France Info, Hervé Maurey, sénateur Union Centriste de l'Eure. Après l'effondrement d'un pont autoroutier à Gênes, Italie, qui a fait une trentaine de morts mardi, plusieurs responsables politiques appellent notamment à la remise en place de l'écotaxe, impôt censé entrer en vigueur en 2014 pour taxer les véhicules les plus polluants mais finalement abandonné face à la mobilisation des bonnets rouges. Il est urgent de réagir et de mettre les moyens nécessaires si on veut éviter un drame comme celui qui vient de se produire en Italie, a estimé Hervé Maurey, également président de la commission d'aménagement du territoire du Sénat. Selon un récent audit commandé par le gouvernement, un tiers des 12 000 ponts gérés par l'État sur les routes nationales nécessitent des travaux et 7% d'entre eux présentent même un risque d'effondrement à terme. On n'est pas du tout à l'abri d'une catastrophe, affirme Hervé Maurey. France Info, êtes-vous pour le rétablissement de l'écotaxe? Hervé Maurey, c'est une approche très française de commencer par dire il faut créer un nouvel impôt. Il y a des crédits qui normalement doivent aller aux routes et qui, aujourd'hui, ne vont pas.